Salut à tous, c'est Mato. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit Call of Duty Bataille des Ardennes. C'est une mission de Call of. Désolé d'avance pour les bruits derrière. Il y a mon voisin qui est en train de percer depuis tout à l'heure. Je sais pas ce qu'il fait, mais il est en train de percer en tout cas. Donc, ça y est, on lance la Bataille des Ardennes. Allez, go! Cela fait 6 semaines maintenant que Turner est mort et que j'ai été promu. C'est Noël. Nous nous enfonçons dans la forêt des Ardennes en Belgique. Il fait tellement froid qu'on pisse des glaçons. Ça va être une putain de bataille. Lancez la mission. Choisir la difficulté, commando. Sans Turner, on n'avait plus de protecteur. Paul, tout ce que je voulais, c'était rentrer chez nous en héros. Maintenant que Pearson commande, je risque de ne jamais rentrer. Joyeux Noël, Turner. Au fait, Turner, Pearson a nommé le petit Pecno caporal. Je me demande ce que vous en auriez pensé. Sans doute que t'es toujours un gros salopard, Yellow. C'est pas le moment, les gars. À Turner. À Turner. À Turner. Quel sacré vénard. Je veux toujours qu'il soit le premier. Voilà, vous entendez les bruits de marteau. C'est normal. Ouais, profitez-en ce soir. Parce que demain, quand le convoi va passer, c'est vous qui serez sur le front pour le protéger. Et Turner sera pas là pour vous défendre. Du calme. Du calme. Du caporal maintenant, hein. J'espère que t'es plus doué pour donner des ordres. Vas-y. Je peux savoir ce que t'attends. Hey, j'en étais sûr. J'ai servi 6 ans avec cet homme. 6 ans. Joyeux putain de Noël. Le convoi est là et nous devons nous assurer qu'il atteigne le Rhin sans encombre. Et maintenant, on doit aussi survivre à ce froid glacial. Et à Pearson. Les bottes, vieux. Elles ont l'air neuves. Ouais. Il les a piquées à un auxiliaire. Nous pourrons même avoir froid. Si Pearson était mon radin sur les réquisitions, j'aurais pas besoin de voler. Pas de soucis. Elle lui servait plus à rien, de toute façon. Il est où le campagnard que je connais? Si tu le vois, fais-moi signe. Les gars. Ah ouais. Pourquoi ouais. Vouloir rester au coin du feu avec ma petite femme, alors que je peux me geler le cul ici avec une bande de nazes? Oh merde, on approche. Aïe, allô, reprends la mitrailleuse. Oui, sergent. Sergent, pas de manteau ou de couverture en rab? Vous avez tout ce qu'il vous faut. La tranchée est amorphée toute la nuit. Prends des munitions, tu vas les ravitailler. Si je prends ces munitions, Ayello va se retrouver à sec. Alors il va falloir faire en sorte que chaque balle fasse mouche. Allez, c'est parti. Rien de sympa pour moi. Apporter les munitions. C'est où je vais les apporter? Pas lui. Pas lui. Pas toi. C'est à qui je dois les ramener ces munitions? Ah, c'est là-bas. Je croyais que c'était plus près, là. Tiens. J'ai des munitions, les gars. Eh, regardez, un vrai Saint-Nicolas. Jette ça sous notre sapin. Tiens. Là. Tu nous as apporté quoi? Chocolat? Là. Chaussettes sèches. Merde, débauche sur la colline, à 12h. La colline, à 12h. Daniel, là. Thank you.
Voilà. Il est où ? Là. Voilà. T'es mort. C'est où la tente de commandement ? Par là. Faites le rapport à Pearson. J'arrive, Pearson. J'arrive, Pearson. Il est où ? Il est où ? Il est là. Hé, hey, caporal. J'ai une surprise pour toi. Voici Howard. Ravi de faire votre connaissance. Désolé, je ne sais pas... Travailler avec un ingénieur hors pair. Howard était dans la compagnie qui a pris la crête. C'est dingue qu'il les laisse se battre. Bien sûr. Il nous laisse même mourir. Bon. Quand le convoi va passer, les Boches vont tout balancer. On n'attendait pas des réservistes ? C'est nous les réservistes. Sergent, on devrait demander un renfort aérien. Regardez ça. Daniel vient de se souvenir qu'il était caporal. La radio est réparée. Ouais, vous faites pas trop d'illusions. Les autres savent plus où donner de la tête. Ah. Les escorter jusqu'au... On va monter dans un tank. Je me mets devant, ça fait quoi? Ah, voilà, je dois même pas jouer, regardez les gars. Oh oh. Voilà dans leur tête. Ouais, bah c'est ce que je fais, hein. D'ailleurs, je suis allongé, mon frère. On dirait que c'est fini. Ça va? Ouais, je crois. Boum. Fatigué avant l'attaque. Ah, il est pas, il est avec moi. Quel gros chabert. On recommence. Je crois. On doit retrouver Pearson. On doit retrouver Pearson. Des blindés des Boches arrivent, ils sont franchis dans l'île. Il y a une radio dans notre ancien PC. Couvrez-moi, le temps que je la mette en marche. Ce PC est trop proche de l'ennemi. Hé, hey, c'est caporal maintenant, bordel, alors agis comme tel. Mais pas nous demander d'y aller avec lui. Si tu... Hé, j'étais sous-officier. J'ai renoncé à mes galons. Faut qu'on bouge, et vite. Passez devant! C'est à l'envers! Je vais te mettre mon poing dans la gueule! Hé! Hey, fais ton boulot! Howard meurt, on est tous foutus! Ouais, moi je vais arriver, je vais tous vous buter! Soldats ennemis, ils viennent de moi! Il faut atteindre la radio! Daniel, aide-moi à prendre la radio! À la lisière des armes! Daniel! Besoin d'un coup de main! Je la tiens! Elle est à mon chien! Ça va me prendre un peu de temps! Retenez-les! Facile à dire pour toi! Protégez Howard! Surveillez les armes! Pour! On se couche comme ça! Ouais, je cherche lui! On va te faire déconner! On joue au snipe, ça va faire plus mal! Oh! Daniel! Oh! Voilà, je me soigne les gars. On tire dessus. Ouais mais... Il tire dessus mais je sais même pas d'où. Voilà, c'était mort. Sur là-bas. Oh, 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 ils vont se calmer ouais. Eh. Je vais tirer mais je sais même pas d'où. Oh là là, c'est pas possible ça. Il n'y a pas un qui peut me couvrir là. Ça, je veux bien tous les buter mais quand même. Ennemi près de la lisière des arbres. Allez, on répare ça. Rover Joe, Rover Joe. Ici Dagwood, White 5. Je demande un soutien aérien. À vous. Bien.
Bien reçu, Dagwood. Bien reçu, patron. Nos avions sont en mission de bombardement. Heure de retour inconnue. À vous. 509, ici le QG. On a une demande de soutien aérien d'urgence. Ramenez votre escadrille une fois la cible atteinte. Bien reçu, QG. Dès que les bombardiers ne risqueront plus rien. Changement de cap. Nous sommes à 3 minutes de la cible. Protégeons les bombardiers. On a des tirs anti-aériens devant nous. Manœuvre d'esquive. Évitez leur DCA. En formation. Restez près des bombardiers. Non. C'est bien comme ça. Je monte, je descends, je tourne. On va tirer. Wow. Allez, on accélère. Non. Wow. Bandit à 2 heures, au-dessus. Comment on fait pour tirer? Voilà. Comme ça. Il est mort. Mayday. Ils sont où? J'en ai un sur moi. Elle est où? Ah, là-bas. Tu vas mourir. Vite, surchauffe, on s'en fout. Je suis concentré, les gars. Oh là là. Oh, on me tire dessus. Ah. On va essayer de se rapprocher de lui. Merde. Allez, allez. Tu chauffes. On a été touché. On ne répond plus. Voilà. Je répète, on est touché! Pas facile, mon frère. Bon, il est mort. Lui est mort. Un prochain, il est où le prochain? On a été touché. Les commandes ne répondent plus. On est touché. Je répète, on est touché. J'avance, je m'en fous, j'ai pas peur. Prenez la mission. Elle est où, la mission? Cible à 10 miles. Caché. Allez, tu vas mourir. Allez, meurs. Voilà. Voilà, encore un là-bas. Voilà, je t'ai eu. Ouais, j'essaye, mais il va vite, hein. Mayday, mayday, mayday! Oh, oh, oh.
se calme, les gars. On remonte. Cours combien d'avions comme ça là, parce que. Bon, t'es mort. Moteur gauche touché. Oh, c'est long. Oh, il va trop vite, hein. Reste pas devant moi, toi. Après, y'en a un où? Là. Oh, je pensais qu'il y allait avoir un accident. J'arrive pas à la voir. C'est bon, il y en a un où là-bas? Il va mourir. Voilà, checkpoint. On approche de la cible. Laissez de la place au bombardier. On se tait et on se regroupe sur moi. Voilà, je le suis, mon frère. 509, escorte terminée. Prêt pour appui aérien. Bien reçu, 509. L'infanterie et les engins blindés ennemis attaquent la 9e division blindée. À vous. Rover Joe! Rover Joe! Ici Dagwood, White 5! Ils sont sur nous! Où est notre appui aérien? En attente, Dagwood, White 5. Avion en route à 50 miles. À vous. Faut qu'on dégage de là, allez! Allez! Allez, on doit retourner sur la ligne de front! Allez! Ils sont derrière nous! Je sais qu'ils sont derrière nous, mais attends, ils me tirent dessus. Les renforts aériens sont en route. Il tiendra pas. Ouais, y'a des gens là. Ouais, ils sont avec moi. Allez là, j'ai presque plus de vie en plus. Oh. Je vais mourir, j'ai presque plus de vie. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux que je fais, moi? Ils m'ont là devant tout le monde, j'ai plus de vie. Les renforts aériens sont en route. Il tiendra pas. Il va falloir qu'on résiste encore un peu. Ah, dans la tête, mon frère. Que quelqu'un prenne la mitrailleuse. Je vais la prendre, la mitrailleuse. Je vais aller la prendre. Oh, je vais pas mourir, moi. Je peux pas la prendre. Ah non, c'est pas celle-là que je vais prendre. Ah, je vais mourir. Elle est où la mitrailleuse? Là. Ah bah j'ai pas eu le temps. Moi j'étais à la mitrailleuse là-bas, j'ai pas été là. Bon sang de bonsoir. Les renforts aériens sont en route. Il tiendra pas. Ouais. Mourir, bande d'esclaves. Je sais même pas où je dois tirer là, y'a personne, je vois personne. Allez, on la retente. Les renforts aériens sont en route. Il tiendra pas. Il va falloir qu'on résiste encore un peu. Ouais, je me fais allumer. Pourquoi il me tire plus sur moi lui? Pourquoi tirer que sur moi? C'est carrément meilleur au snipe qu'au pistolet, hein. Ouais bah comment tu veux que je fais là, j'ai même plus de vie. Il y a un mec qui va arriver là-bas. Oh, il est mort. Comment tu veux que je fais, j'ai plus de vie. Juste pas un t'es où, frère? Voilà, donne-moi de la vie parce que là je vais mourir.
à ton roquette, toi. Allez, on snipe tout ça. À côté, il est devant moi, je suis à côté encore. Allez, j'ai presque plus de balles, moi. Allez, avec moi, lui. Voilà. 50 bonjour. Ah, me touche pas du tout. Ah, j'allais dire, me touche pas. Bon alors. Ah, de côté. En formation. J'ai pas moyen d'avoir des balles de snipe ici. Des balles de snipe, ce serait bien. Cette lisière. Restez sur vos gardes. Les Boches vont revenir. Les boss vont revenir. Oh là là, ça c'est dangereux ça. Ça va être chaud ça. Oh là là, ça va être chaud ça. Qu'est-ce que je fais moi? En plus. Allez, tire-moi cette là. J'arrive pas à monter là. Allez, très bien. C'est cher là. Doucement, t'es où là? J'arrive. Daniel, dis-moi que la radio marche encore. Affirmatif. Comment dire, Daniel, sur ces chars. Ils sont dans la limite de sécurité. Là où je te dis, les Boches sont à découvert. Je suis trop prêt. Pas ça. Complètement malade. Après, il n'y a pas de tort. Hein. Ça nous permet de survivre. Enfin, pour l'instant, je suis. J'ai pas encore survécu. Donne-moi ton arme. Les Boches, ça. Oh.
crois que je vais rester là. Oh là là, ils sont malades dans leur tête. Je te jure, ils sont malades. J'ai une question, Caporal. Ça fait combien de temps que Pearson est aussi taré? C'est pas vraiment normal. Tu auras sûrement une médaille pour ça. C'est pas si mal. On a de la chance d'être en vie. Pour l'instant. Daniel s'emmène ses poches, je vous prétends. Oui, c'est je mangue toi le train. Hé, hey, j'ai déjà vu ce regard. C'était juste avant Catherine. Y'a plus que nous, les gars. Pearson était certain de nous envoyer à la mort, mais nous avons réussi à défendre le convoi, et nous sommes parvenus à repousser les ennemis. Turner aurait été fier de nous. Voilà, la mission, elle est terminée, et moi je vous dis à tout à l'heure. Bisous.